Voilà, mais non, en fait, ça fait une tête bizarre, on dirait un dangereux psychopathe là. Allez, bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo review et je vous annonce, sortez tout de suite vos cartes bleues puisque là on est face à du lourd et je sais que vous allez tous craquer, c'est obligé. Dès que vous allez comprendre de quoi je vais parler, de qui je vais parler et ce qu'il y a dans ce magnifique qui ressemblerait à un pochon. Mais non, ce n'est pas un pochon, très cher ami, c'est un tapis de tirage, mais je vais vous expliquer ça. Je suis littéralement amoureux de cet auteur, de cet artiste même, parce que pour moi c'est vraiment un artiste, hein, il fait des choses absolument extraordinaires. Vous le connaissez bien sûr toutes et tous et je vous parle de mon ami Gabriel Leroy que je remercie très chaleureusement pour m'avoir envoyé son jeu, vraiment merci du fond du cœur. Tu sais à quel point je suis fan de toi, hein. Je veux pas m'en cacher, hein. Je lui ai écrit assez souvent à Gabriel et les derniers messages que je lui ai envoyés c'était vraiment pour lui dire à quel point j'admirais son travail parce que c'est un artiste qui, je sais pas, il dégage quelque chose dans sa façon de peindre, de dessiner, de représenter les choses. Il vit dans un monde poétique qui est complètement onirique avec une petite touche un petit peu de dark, un peu à la Tim Burton. C'est vraiment un artiste que j'aime beaucoup, j'adore ses illustrations. Il est connu pour les deux jeux qu'il a sortis, vous les connaissez, je vous avais fait les reviews, à savoir l'Oracle, l'Absolu en collaboration avec Ange de Gaïa, notre chère Véronique, à qui on fait des bisous, et le second qui était l'Outre Chimère. Je vais pas vous les montrer parce que d'une part vous savez qu'ils sont dans les cartons, donc je peux pas vous les montrer, mais n'hésitez pas, je vous avais fait les reviews, je vous glisserai ici dans le petit i qui va apparaître les deux reviews des jeux si vous voulez aller les voir. C'est vraiment des jeux qui sont, c'est le cas de le dire, absolument incroyables et magnifiques. Et là, Gabriel travaillait sur un nouveau bébé, ça fait déjà des mois que je bave dessus à chaque nouvelle image qui paraissait. J'étais là en plein en plein kiff, je transpirais et tout. Donc autant vous dire que lorsqu'il a annoncé sa sortie officielle là il y a quelques jours, autant vous dire que j'étais mais alors vraiment refait, j'étais vraiment très heureux, surtout que là franchement Gabriel a mis le paquet sur ce jeu parce que vous allez voir, il nous propose un truc qui est exceptionnel. Donc comme d'habitude, en barre d'infos sous le titre, hein, vous avez le titre, vous avez soit une petite flèche ou un petit plus, vous cliquez dessus, ça vous donnera accès à la liste déroulante dans laquelle je vous mettrai tous les liens pour aller sur son site internet. Bien sûr, je vous invite à aller aussi le retrouver sur Instagram, sur Facebook et le suivre parce que non seulement Gabriel est un artiste, mais c'est vraiment quelqu'un qui est ultra, ultra gentil, qui est très humain, qui est très accessible. Donc, j'ai envie de dire, c'est le combo parfait, quoi. Hein. Donc, n'hésitez pas, je vous mets toutes les informations pour aller voir. Et là, on va être donc sur ce nouveau jeu que je vous présente tout de suite. Alors les amis, je tiens à vous préciser une chose qui est importante, c'est que lorsque vous allez commander le jeu, si bien sûr il vous plaît, hein, comme d'habitude, mais je suis sûr qu'il va vous plaire, hein, forcément, ici on parle de Gabriel Leroy, donc forcément ça peut que vous plaire. Si vous avez adoré l'Oracle Absolu et l'Outre Chimère, franchement vous allez adorer aussi celui-ci. Donc ce que je vous disais, là je n'ai pas une version de luxe, hein, c'est pas spécialement moi, Gabriel, à rajouter des choses pour moi, etc. Non, pas du tout. C'est vraiment la version que vous allez recevoir sur son site puisque vous verrez, il propose un coffret complet, à savoir l'Oracle. Vous allez le découvrir. J'ai envie de vous faire monter le suspense pour ce jeu parce que Gabriel a créé une nouvelle fois un système particulier pour ce jeu. En plus, il y a inclus des choses, vous allez voir, des outils, des accessoires, bref. Et en plus de ça, vous allez avoir cette nappe de tirage. Donc ça peut être parfait pour ceux qui n'ont pas de tapis de tirage.
pages. Vous allez donc pouvoir utiliser celui-ci. Mais avant de découvrir cette merveille absolue, donc je vais vous montrer un petit peu la carte de Gabriel pour que vous puissiez le contacter et avoir son site. Donc, Gabriel me dit désolé pour l'attente, mais je ne t'en veux pas, mon petit Gabriel. Mais c'est vrai que ça a été une torture pour moi d'attendre, parce que étant fan absolument de ces jeux, c'est vrai que je l'attendais ardemment. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire que c'est dans mon prénom, hein, c'est dans ma vocation d'attendre, puisque John attend. Donc, vous pouvez retrouver Gabriel sur son site www.gabriel-leroy.be et son adresse mail. gabriel-leroy@hotmail.com. Mais comme je vous ai dit, je vous mets tout en barre d'infos, vous trouverez absolument toutes les informations. Derrière sa carte, on va pouvoir retrouver ses trois jeux principaux, à savoir l'oracle, l'absolu, l'outre-chimère et donc le petit dernier qui vient d'arriver. Mais avant ça, j'ai envie de vous plonger dans le monde et dans l'univers de Gabriel, parce que comme je vous le disais, avant d'être un artiste, il a cette façon de raconter les choses, de nous plonger dans une histoire, et c'est tellement empreint de poésie, de mystère, de fantastique qu'on y croit à l'histoire et on se plonge complètement dedans. Donc ici on a la note du passeur. Tout commença par un coffret trouvé, enseveli quelque part entre le crépuscule et les rives d'une nuit blanche. Était-il sanglé dans les racines d'un arbre tortueux ou déposé dans un berceau de sable gris? Je ne me souviens plus. Sur son couvercle sculpté, je devinais des écritures. Archaeosia Noxis, des mots n'ayant, je pense, aucun sens dans aucune langue connue, mais qui pourtant m'évoquent quelque chose de très ancien. J'ai découvert à l'intérieur un carnet d'écriture d'énigmatique, emblème gravé sur des galets de mystérieuses feuilles rectangulaires de la taille d'une main faites de matière indéfinissable. De ce que j'ai compris ensuite, ces cartes étranges sont des ambres sélènes, fragiles objets dont chaque surface, à la faveur d'un clair de lune, a capturé le souvenir d'un habitant de cet autre monde. Faites d'images et de murmures, leurs mémoires exposées ont projeté mon esprit au cœur d'une civilisation, d'un monde aux multiples lunes, peuplé de sélénites et de créatures fascinantes. Existe-t-il ? J'en ai douté un instant. N'était-ce pas simplement une vaste fantasmagorie jaillie de mon esprit, avide de merveilleux, juste un reflet de la quête intérieure à laquelle nous sommes tous confrontés ? Puis les mois ont passé, je ne sais comment, j'ai retranscrit dans notre langue les mots ancrés dans le carnet. En les relisant, j'ai compris le pouvoir de l'oracle que j'avais entre les mains. Son univers est véritable. Archaeosia est le nom de celle qui, depuis fort longtemps, susurre à mon âme au cœur de mes oniriques échappées. Elle attendait de moi que je ramène son héritage dans notre monde. Je devais recréer ses ambres sélènes, leur donner corps, et je l'ai fait. L'objet vous paraîtra peut-être mystérieux, voire labyrinthique, rassurez-vous, il le reste aussi pour moi. Mais je suis persuadé que c'est dans la déroute de l'esprit que l'on perçoit inconsciemment les choses les plus parlantes. C'est donc un honneur pour moi de porter aux yeux du monde les poésies d'Archaeosia et toutes les valeurs liées à cet oracle qu'elle a laissé pour nous dans un coffret au bord d'un songe. Signé Gabriel Leroy. Je sais pas vous, vous le voyez peut-être pas à la caméra, mais ça m'a donné des frissons de le lire, c'est incroyable. Juste le petit teaser, on a envie de tout arracher, de vite découvrir ce mystérieux coffret. J'adore, franchement, Gabriel, là, ce texte est d'une inspiration, c'est incroyable. Les amis, il faut motiver Gabriel pour qu'il nous fasse un livre. Je veux qu'il nous écrive un livre, un roman fantastique, parce que vraiment, il a une imagination, ce mec, c'est juste incroyable. Et il a ce truc, juste d'avoir lu ça, ça me frustre parce que j'ai envie d'en savoir plus, enfin. Allez, donc tout de suite, je vous propose de le découvrir avec vous. Je sais pas du tout ce qu'il contient, comme vous pouvez le voir, je l'ai pas ouvert, je l'ai juste ouvert du carton. Je l'ai pas, vraiment, je le découvre en même temps que vous, hein, donc. Donc vous m'excuserez si je trouve pas forcément les arguments à vous donner, parce que je risque d'être subjugué, d'être submergé par les émotions que le jeu va m'évoquer. Donc vraiment pardonnez-moi. Ce que je ferai durant le montage, je couperai les blancs pour que ce soit plus fluide la vidéo.
Allez, on y va tout de suite. On a ce magnifique petit ruban bleu, un joli bleu céleste, un bleu ciel qui est magnifique. Et le tapis, alors le tapis, il est vraiment d'une très bonne qualité. On est sur une sorte de velours. Un velours qui est derrière, je sais pas si vous allez voir, il est relativement épais, il a une impression qui est très très belle, de la même couleur que le ruban, et on va se découvrir ça tout de suite. Oh là là, mais il est immense le tapis de tirage. Moi je le... Je le voyais pas si grand. Moi je me suis dit c'est un tapis de tirage qui doit faire aller 40 cm par 40. Oh là là, regardez les amis, c'est magnifique, c'est... Oh là là, c'est incroyable, le coffret est sublissime. Pour ceux qui ont l'oracle absolu et l'outre chimère, si je dis pas de bêtises, à vue d'œil, le coffret semble plus grand. Il est plus grand. Bon, c'est sûr qu'il est plus large, plus épais, parce qu'il y a des choses dedans. Mais regardez ça un peu, le coffret est magnifique. Regardez avec la lumière, on est sur une finition mate et on a les reflets en dorure. C'est juste super beau. Le coffret est incroyable. Franchement, à chaque fois, Gabriel nous fait une qualité qui est juste extraordinaire. Allez, je vais vous montrer, enfin, je vais vous lire ce qu'il y a derrière, puis je vous montrerai. Je me nomme Archéosia Noxis, rêveuse et émissaire du peuple sélénite. Ceci est mon offrande aux gens de l'autre monde. Puissent ces souvenirs gravés dans la matière par la magie d'un clair de lune leur esquisser cet univers qui est le mien. Que les sensibilités de mes semblables les inspirent et les éclairent. Que les clartés pour eux soient vives et les pénombres passagères. À travers cet oracle, je brise l'ignorance qui me sépare d'eux et me ferait leur hôte le temps d'un rêve. C'est beau, c'est vraiment poétique, c'est j'adore, vraiment j'adore. Donc l'oracle Phalenaria, et on va découvrir l'intérieur tout de suite. Je suis, vous n'imaginez pas, mais c'est comme je le découvre en même temps que vous, je suis, j'ai des énergies, j'ai plein d'énergie, d'émotions et de sentiments qui m'assaillent. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. C'est juste magnifique. Regardez ça un petit peu, l'intérieur du coffret est super beau. Pff, Gabriel, tu m'énerves, tu fais des jeux qui sont trop beaux. Encore un jeu que je vais pas oser utiliser pour pas l'abîmer. Gabriel, je t'en supplie, pour ton quatrième jeu, fais un jeu qui soit moche, qui soit pas qualitatif, qu'on n'ait absolument aucun regret à pouvoir l'utiliser et l'abîmer, parce que c'est rien que le jeu est une œuvre d'art. Et qu'est-ce qu'on voit là? Mais qu'est-ce donc que ceci, les amis? Eh bien, je propose de découvrir ça tout de suite. Le guidebook a l'air super beau aussi, mais même le guidebook, il est incroyable. Regardez, je sais pas si vous allez voir, mais il a une couverture qui est nacrée. Mais vraiment, hein, j'essaye de vous le montrer avec des effets de lumière. Regardez-moi un petit peu le guidebook qui est d'une incroyable qualité. C'est super beau. Regardez l'intérieur. Vraiment, c'est... Je suis en admiration. On est sur une très bonne qualité de papier, glacé, en couleur en plus. Et sans vous spoiler la chose, je sais que le livre continue de nous raconter l'aventure que je viens de vous faire, là, le petit teaser. On va en apprendre plus sur les cartes, sur l'oracle. Et vous allez le voir, donc sur les cartes, on va retrouver des demi-pastilles. On va en avoir 6 au total sur chaque carte. Et il y a tout un système qui est fait sur ces cartes en fait. Et on va devoir aussi utiliser pour compléter des galets, des runes qui sont gravées. En plus, ce sont des runes en pierre véritable, c'est pas du plastique. Et il me semble, si je vous dis pas de bêtises, que c'est de l'aventurine. Ces galets vont nous donner des informations supplémentaires sur les cartes. Comme je vous l'ai dit, vraiment, je découvre le jeu. En plus, Gabriel m'a conservé le mystère et le secret. Donc concrètement, je ne sais absolument pas comment le jeu fonctionne. Donc je peux pas vous en révéler plus. Je prendrai le temps de bien lire le guide et de vous expliquer plus en détail, parce que franchement je compte bien l'utiliser, je compte vraiment vous le montrer en détail, et il mérite, on fera une vidéo spéciale guidance, voyance, enfin je sais pas trop quoi, parce que je sais pas ce que le jeu en fait va nous donner comme énergie. Donc ce sera vraiment une vidéo magique et fantabuleuse, et on s'y sera tout simplement porté par ce que l'oracle va nous dire. Mais regardez un petit peu, on a une vraiment, le guidebook est super beau quoi, il est vraiment magnifique. Vraiment, Gabriel, non, à chaque fois, c'est jeu, c'est juste, ce sont des œuvres d'art, il n'y a pas d'autre mot. Franchement, je dis pas ça de tous les artistes, vous le savez,
Mais Gabriel, il a ce truc, il a ce... Moi je sais que... Alors, je suis désolé, surtout ami illustrateur, ne le prenez surtout pas mal de ce que je vais dire, mais vraiment Gabriel fait partie de mes chouchous, parce qu'il a ce truc qui me parle, ce truc qui est poétique, qui est onirique, qui est mystérieux, qui est fantastique, qui est chimérique, qui est vraiment... et j'adore en fait, j'adore cet univers. Allez, on va découvrir un petit peu les runes. Oh là là, ah ouais, non, mais je vous confirme que c'est bien de la pierre, c'est pas du tout du plastique, hein, c'est bien de la pierre. On est sur de l'aventurine qui est de très belle qualité en plus, franchement. Et donc, on va avoir 7 galets. Je vais essayer de vous les montrer. Alors, je sais pas si vous rentrez sur ma main, parce que comme vous pouvez le voir, quand même, les galets sont assez gros, hein. Et lorsque je vais vous dire le prix du coffret, vous n'allez pas me croire. Parce que honnêtement, on a un coffret. Bah, si vous avez l'Absolu et l'Outre-Chimère, vous connaissez très bien la qualité de ces jeux-là. Mais là, donc, on est sur la même qualité. Regardez, on a un super pochon noir satin. On a les galets qui sont gros en aventurine véritable. On a la nappe de tirage. On a le livre. Tout ça, écoutez bien les amis, seulement pour une cinquantaine d'euros. Franchement, mais je me demande si Gabriel se fait des sous. Parce que là, nous proposer un tel set, mais c'est incroyable, surtout en plus avec la qualité qu'il y a. Regardez un petit peu. Alors, certainement que vous, le coffret que vous allez recevoir, les pierres seront différentes, hein, puisque l'aventurine, comme vous pouvez le voir, j'en ai des clairs, j'en ai des foncés. Mais j'aime bien parce que je sais pas si. Alors, c'est peut-être pas fait exprès, mais du coup, moi, ça me fait un dégradé. J'en ai une qui est très foncée, juste une autre qui est très clair, et je voudrais rire parce que du coup je ne connais pas la symbolique de ces galets, de ces runes, mais je voudrais rire que ce symbole soit associé à quelque chose de lumineux et ça de plus sombre ou l'inverse. Peut-être que du coup je pourrais y donner une signification supplémentaire. Ben, regardez un petit peu, vraiment les galets sont d'une superbe qualité. Regardez un petit peu, ils sont vraiment très épais. À vue de nez, je dirais qu'ils doivent faire au moins 3 cm, 3-4 cm sur ouais, sur 2-3 cm. Ils sont vraiment de bonne taille. Ben, vous le voyez, hein, ils tiennent à peine dans ma main. Donc on a ces 7 galets que vous allez devoir disposer sur les cartes, puisque comme je vous l'expliquais, les cartes vont avoir des demi-pastilles, et lorsqu'elles seront couplées avec une autre carte à côté, eh bien les pastilles vont en fait s'associer l'une à côté de l'autre, et vous allez pouvoir donc disposer les galets dessus, et ça va venir vous apporter des informations complémentaires, j'imagine, sur la carte, sur le tirage, voilà. Mais comme je vous le dis, je veux pas vous dire des bêtises, sachant que je découvre le jeu en même temps que vous, hein. On pourrait presque parler d'un unboxing plus que d'une review. Et maintenant, je propose de découvrir le jeu. Oh là là. Magnifique. Magnifique, magnifique. Alors, on va regarder d'abord le derrière des cartes, qui est vraiment très très beau, qui est magnifiquement illustré. Et j'adore parce qu'on a une double face. On a le dos des cartes, je pense que vous le voyez avec la lumière, le dos des cartes est en finition gloss, et le devant des cartes est en finition mat. Mais, je sais pas si on le voit. Et on va avoir des dorures qui sont intégrées dans l'illustration. C'est vraiment sublime, hein. Vraiment, Gabriel, c'est un travail qui est... Moi, je suis complètement sous le charme. Regardez la tranche. Alors, je sais pas du tout si vous allez bien le voir en caméra, mais la tranche n'est pas neutre. Elle est couleur nacre. C'est la première fois que je vois une couleur comme ça. Je savais pas que ça se faisait. C'est une couleur nacre entre l'argent et le nacré, hein. Je pense quand même que ça se voit. Le jeu est vraiment splendide. Vraiment, vraiment splendide. Et ce que je propose, bien sûr, c'est de découvrir les cartes tout de suite. En plus, regardez ça, on a le tapis de tirage qui nous fait un joli fond noir. Donc ça va être parfait pour découvrir les cartes. Alors, juste avant de vous montrer un petit peu les cartes, voyez les fameuses demi-pastilles dont je vous parlais. Donc dès que vous allez associer une carte l'une à côté de l'autre, ça va unir les demi-pastilles pour faire une pastille complète.
Et donc, la pastille va vous fournir des informations, déjà, sur l'interprétation. Mais en plus de ça, lorsque vous allez poser donc les galets dessus, ça va vous fournir d'autres informations, ou ça va peut-être changer le sens du tirage. Vraiment, je vous en dirai plus, parce que là, pour le coup, on est plus sur un unboxing que sur une review, parce que je découvre. Et c'est, je pense que c'est voulu que Gabriel aussi, parce que, rappelez-vous, la note du passeur qui nous dit hein, qu'il a trouvé un coffret, qu'il ne sait pas ce que c'est, qu'il ne sait pas les mots à quoi ça correspond, etc. Et qu'il découvre et qu'il est complètement perdu en découvrant cet oracle parce qu'il est déstabilisé. Et pour le coup, Gabriel, eh ben, si c'est l'effet que tu as cherché, sur moi, ça fonctionne parce que effectivement, je suis en mode découverte. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça, ces cartes, à quoi ça sert, les runes là, qu'est-ce qu'il faut faire? Et vraiment, on est plongé dedans. Sincèrement, c'est juste incroyable. Bon, bien évidemment, le guidebook après va nous fournir les réponses, mais là, juste en découvrant le jeu, on a ce sentiment d'être déstabilisé, d'être perdu, de ne rien savoir du tout. Allez, tout de suite, je vous propose de découvrir les cartes en détail. Thank you.
Voilà donc les amis pour cette présentation au niveau des cartes, vous avez dû le voir, elles sont vraiment magnifiques, les illustrations sont sublissimes, en plus chaque carte est relevée de cette dorure du coup qui contraste avec l'aspect mat de la surface des cartes, c'est juste incroyable. Et comme je suis en train de découvrir le jeu en même temps que vous, j'ai pu constater un petit détail sur les cartes, c'est qu'on a des espèces de lignes comme ça, des faisceaux lumineux. Et je viens de regarder dans le guidebook que ce n'était pas un hasard. Et je suis tombé sur cette page qui est au début du guidebook, qui nous explique que sur chaque carte, il va y avoir des faisceaux lumineux qui sont rattachés aux lunes. Vous savez, les fameuses demi-pastilles sont en fait des demi-lunes. Et lorsqu'elles vont être assemblées, les lignes, les faisceaux directeurs vont nous donner un chemin, une direction à suivre. Et si on se retrouve avec le faisceau qui est cassé ou qui est bloqué, eh bien la carte va nous parler ici d'un obstacle. Je suis désolé de ne pas vous avoir donné cette information avant, mais vraiment je découvre le jeu et c'est même, je trouve, mieux de faire ainsi parce que je vous donne, moi, mes premières impressions sans aucune indication. Et ensuite, ça vient compléter avec le guidebook. Ce jeu est vraiment splendide. Je suis complètement envoûté et charmé par ce jeu. Exceptionnellement, d'habitude, en fin de review, je vous fais toujours un petit tirage avec les cartes. Mais là, le jeu est tellement exceptionnel et puis il est tellement particulier que j'ai pas juste envie de vous jeter des cartes et puis de lire les mots-clés qu'il peut y avoir sur les cartes. Parce qu'il y a vraiment toute une méthodologie pour utiliser cet oracle et j'ai envie de lui rendre honneur correctement. C'est pourquoi je vous demande de me laisser juste un ou deux jours que je puisse m'imprégner un petit peu du guidebook et que je puisse découvrir l'oracle et sa fonctionnalité. Et je proposerai de faire une vidéo qui sera dédiée à la découverte. On se fera un tirage complet avec le jeu pour pouvoir le découvrir vraiment dans toutes ses formes. Voilà donc mes amis pour l'oracle du Falenaria qui est vraiment un très très bel oracle. Encore une fois, Gabriel, franchement, c'est surpassé. Et c'est ça, je trouve, qui qualifie le mieux un artiste. C'est-à-dire qu'un artiste, à chaque fois qu'on pense que ce qu'il nous présente est la version la plus belle, eh bien non, il arrive toujours à nous surprendre en nous montrant qu'il peut toujours se dépasser et nous apporter quelque chose d'encore mieux que la version précédente. Et même si l'Oracle, l'Absolu et l'Outre-Chimère sont déjà des très jolis jeux, l'Outre-Chimère qui exploitait comme ça, hein, qui explorait aussi une façon, une méthodologie de tirage avec les chimères, et là, on a quelque chose qui je sais même pas comment le qualifier, je sais même pas comment le définir parce que les jeux de Gabriel, pour moi, sont des extraterrestres. Ce sont des ovnis dans le milieu de la cartomancie. C'est-à-dire que Gabriel, il a cette vision particulière. Je pense que Gabriel, d'ailleurs, il est connecté, hein, très clairement. Il est comme beaucoup d'entre nous, je pense qu'il est perché. Alors attention, c'est pas péjoratif ce que je suis en train de dire, hein. C'est dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il a cette connexion et il arrive à retranscrire dans ses œuvres tout ce qu'il a dans la tête, tout ce qu'il a dans le cœur, tout ce qu'il ressent, toutes ses énergies, et franchement, c'est juste incroyable, quoi. Regardez un petit peu les couleurs, on est sur un mélange de bleu lunaire, de gris, d'argenté, de turquoise, de vert d'eau. On est comme ça sur des couleurs très douces, très lunaires justement, qui peuvent faire penser un petit peu au côté ovni. Hein. Regardez d'ailleurs, il a pris de l'aventurine. Ce n'est pas un hasard hein, qu'il a pris de l'aventurine, pour ceux qui connaissent les vertus de l'aventurine. Mais il aurait pu prendre d'autres pierres, il aurait pu prendre de l'améthyste ou non, il est vraiment resté dans les couleurs, sachant que l'aventurine en plus c'est une pierre qui se décline, c'est pas une pierre qui... Alors même si toutes les pierres arrivent à se décliner aussi en couleurs, l'aventurine elle a cette capacité à ne jamais avoir vraiment une teinte stable. C'est-à-dire qu'elle va se décliner vraiment d'un vert très profond à quelque chose de presque translucide qui pourrait s'apparenter à du quartz. Et c'est une des particularités de l'aventurine aussi. Et donc ce n'est pas un hasard qu'il l'a pris puisque c'est un jeu qui est très contrasté, qui se décline, qui a une infinité de combinaisons qui est vraiment, je trouve, extraordinaire. Puis c'est juste un très très beau jeu, quoi. Je sais ce que vous voulez voir, vous voulez voir le tapis de tirage, puisque du coup vous n'en avez pas profité, hein. Et c'est ce que je vais vous proposer, je vais vous montrer un petit peu tout le tapis de tirage.
Voici les amis ce magnifique tapis de tirage qui est vraiment super beau, qui est complètement dans l'esprit du jeu. Je trouve même pas de mots tellement ça m'émeut, vraiment, sincèrement. Hein. Alors je suis vraiment pas content parce qu'en caméra on a l'impression que c'est gris, c'est presque blanc, mais pas du tout. Regardez les amis, on est sur un bleu ciel, le même bleu en fait que le ruban. Vous verrez par vous-même, on a deux papillons qui eux ressortent plus clairs, qui sont dans un bleu beaucoup plus céleste. Mais regardez un peu, en bas du tapis, on va avoir une triple lune, ici. Là, on a des arabesques qui me font penser, vous savez, un petit peu au style Art Nouveau, au style Moucha. J'aime vraiment beaucoup, c'est... Oh, j'adore. Vraiment, j'adore. On a cette pleine lune au centre. On a ici entouré d'étoiles. Mais regardez les amis, je suis en train de voir un petit détail. Est-ce que ça serait ce que je pense ? Oui, regardez les amis, ça correspond complètement. En fait, les étoiles ne sont pas juste que des étoiles. Elles prennent parfaitement l'emplacement des cartes. Tout est réfléchi. Oh, j'adore. Cette review est incroyable, les amis, parce que je suis vraiment en train de découvrir le jeu en même temps que vous. Et du coup, je découvre tout ce que... Oh là là. Et puis, ça tombe super bien. On a les lunes, là, qui se rejoignent à chaque fois. Donc, je pense que ça doit être pour faire un grand tableau. Avec très certainement les runes qu'il va falloir ensuite mettre. Donc j'imagine, hein, comme ceci. Alors je sais pas du tout, vraiment je vais l'étudier, mais je pense qu'il va certainement falloir les positionner à des endroits stratégiques ou pas. Je vais vraiment découvrir ça. Le jeu est démentiel, vraiment incroyable quoi. C'est... mais c'est plus des jeux là, on est dans des sphères qui sont bien plus élevées. Non, sincèrement les amis, le jeu est magnifique. Je pense que vous devez le comprendre avec tout ce que je suis en train de vous dire. Si une image devait résumer l'univers de Gabriel Leroy, ça serait ça. Voilà, ce tapis de tirage, ses couleurs, tous ses dessins, ses volutes, ses arabesques, toutes ses esquisses, cet univers, ses ambiances, ses personnages mystérieux, tout. Voilà, c'est... Encore une fois, c'est un véritable coup de cœur, mais là, c'est ça va même au-delà du coup de cœur à ce stade. Hein. Déjà qu'avec l'absolu, j'étais en kiff total. L'autre chimère, on avait franchi une étape. Et là, j'ai même pas de mots. J'ai vraiment pas de mots, les amis. C'est bien la première fois, d'ailleurs, que je trouve pas mes mots pour définir. Juste, je pense, voilà, admirer la beauté. Vous verrez, quand vous recevrez le jeu, vous aussi, vous allez être complètement subjugué parce que les couleurs ne rendent pas du tout pareil que là en caméra. Hein. Si déjà vous trouvez le jeu beau comme ça en caméra, lorsque vous allez la voir en vrai, lorsque vous allez le toucher, le sentir, le ressentir, quand vous allez découvrir ce tapis de tirage qui est incroyable, qui est vraiment d'une très bonne qualité en plus. Hein. On est sur un joli velours avec les impressions qui sont dessus. Ça a l'air très très qualitatif et je pense que ça va bien tenir dans le temps. Donc vous pouvez très bien utiliser votre oracle, le prendre en plus. Du coup, la nappe d'hôtel... tiens, j'ai fait un lapsus. Nappe d'hôtel au lieu de dire tapis de tirage. Bah, vous pouvez l'utiliser comme nappe d'hôtel. Mais en plus, ça peut vous servir pour ranger votre oracle et l'emporter avec vous. Si vous avez envie de vous faire une séance en pleine nature, eh bien, hop, vous avez tout avec vous. Vous avez votre tapis de tirage. Vous avez votre jeu. Vous mettez tout dans votre nappe d'hôtel. Hop, vous mettez une petite bougie. Vous ramassez 2-3 feuilles, 2-3 cailloux en pleine nature. Vous constituez votre propre hôtel. Vous connectez à la nature, aux énergies et vous laissez transporter par l'univers du jeu qui est juste incroyable. Voilà donc mes chers amis pour cette review. J'espère que vraiment elle vous aura plu et que le jeu surtout vous aura plu. Une nouvelle fois, je remercie très 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 chaleureusement et sincèrement Gabriel. Franchement, merci. Là, ce que tu viens de nous offrir à tous, c'est incroyable, c'est vraiment magique. Et je vous invite sincèrement à succomber à son univers et à le suivre parce que comme je l'ai dit, non seulement c'est un artiste, mais c'est vraiment quelqu'un qui est très attachant, très gentil, qui est très humain aussi et ça se ressent. Hein. Il suffit de voir ses jeux
pour ressentir qu'il a cette connexion, qu'il a cette spiritualité. Donc vraiment, suivez-le, abonnez-vous et faites-vous plaisir parce que, comme je viens de vous le dire, tout ça là, tout le coffret, pour une cinquantaine d'euros, mais c'est juste incroyable. Des fois, quand on voit certains jeux qui sont bien plus chers et la qualité va être moins bonne, on n'aura pas tout ça. Vous vous rendez compte, déjà juste des galettes d'aventurine. Allez dans une boutique ésotérique, s'il vous plaît les amis, allez dans une boutique de lithothérapie et regardez juste le prix de galets. Voilà, vous prenez un galet d'aventurine de cette taille et vous regardez le prix et vous en achetez 7. Et ben croyez-moi les amis que juste les galets d'aventurine, vous en aurez même pas pour 50 euros dans la boutique, vous en aurez déjà pour plus. Voilà. Donc là pour le coup non, on peut que craquer. Honnêtement, on peut que craquer. Allez mes chers amis, moi je vous embrasse très fort et on se retrouve très vite dans la prochaine vidéo de présentation. Gros bisous à tous.